viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains pour l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève.
Seigneur, et délivre-moi. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton rocher.
De l'épître de Jacques. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Thank you.
Le royaume de Dieu sera donné à un peuple qui en rendra les fruits. Dieu sera donné à un peuple qui en rendra les fruits. Adorons notre Sauveur qui, par sa mort, a détruit la mort et par sa résurrection, nous a rendu la vie. En te faisant obéissant jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. Jésus, nous t'adorons. En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du Père. En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure. Jésus, nous t'adorons. En ouvrant le paradis aux malfaiteurs repentis, tu rends possible notre espérance. En ressuscitant le troisième jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. Jésus, nous t'adorons.
notre Père. T'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Puissant vous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.